Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo courrier. Voilà, j'ai reçu deux courriers aujourd'hui de copines qui ont mis du temps à arriver. Je sais pas ce qui se passe en ce moment avec le courrier, c'est hyper long. D'ailleurs, j'en attends encore un qui doit arriver du Québec, mais qui est parti il y a 3 ou 4 semaines et qui n'est toujours pas arrivé, mais bon. Là, je pense, un peu normal. Souvent, ça coince au niveau des douanes. Donc, bon, il devrait arriver, je l'espère. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai reçu un courrier de Dorine et un de Isabelle, ma poulette. Voilà. Donc, je vais vous les montrer. Donc, d'abord, Dorine. Donc, j'ai déjà ouvert les enveloppes, hein, comme ça, je fais moins de bruit. Alors d'abord, oh, une jolie carte, voilà, regardez, avec une jolie plume, tout joli, les petits oiseaux, derrière la petite nichoire des oiseaux, tout mignon, et là, regardez, tout mignon, j'adore, super beau. Voilà, bon, là c'est le petit mot pour moi, hein, voilà. Merci, merci Dorine. Donc elle me parle alors. Elle me dit qu'elle a créé une série d'ATC et donc elle m'en a glissé un dans l'enveloppe. Donc le voilà. J'ai pas encore fait des ATC, il va falloir que j'essaye. Enfin que j'essaye, bon, c'est pas compliqué à faire, mais il va falloir que j'en fasse. Voilà, regardez. Toujours sur le thème des oiseaux, donc là c'est le thème automne. Voilà, donc elle a mis la date, son nom, son email. Ah, mais tu es du nord, Dorine, tu es une ch'timi comme moi. Flin les fâches, ça me dit quelque chose, ça doit pas être très loin de chez moi, ça, je pense. Ah, super, elle est toute mignonne. Merci, merci. Ensuite, elle m'a mis plein de washi. Regardez. Ils sont tout mignons. Et super parce que je n'en ai aucun de ceux-là. Ils sont trop beaux. Celui-là est trop beau. Regardez. Avec les attrape-rêves et celui-là avec les plumes. Mais ils sont tous magnifiques. Et là, avec les fleurs de cerisier. Ils sont super beaux. Merci. En plus, elle l'a mis sur un support, sur un papier qu'elle a plastifié. Donc, merci. Ensuite, elle m'a fait un petit sachet avec plein de petits embellissements. Voilà. J'espère que ça ne reflète pas trop. Voilà. Alors, il y a des petites étoiles, des petits flocons de neige argentés. Des petits cœurs rouges en mousse, voilà, des petites encres marines, hop, elle est partie l'encre, elle est là, plein de petits angles métalliques argentés, des coccinelles, voilà, regardez, des petites coccinelles en bois, des petits sapins, ça va être chouette ça pour faire des shakers pour Noël, et des petites découpes, alors il y a des tortues, des poissons, des dauphins. Génial, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça pour faire des shakers, ça va être super. Et le deuxième sachet, alors c'est des embellissements, c'est tous les petites fleurs, voilà, comme ça, en papier, avec des strass, avec un petit autocollant 3D derrière. Et à côté, alors là, je pense que c'est ce qu'elle a fait elle-même. Alors attendez, je vais quand même ouvrir. Alors, est-ce que ceux-là, tu les as... Du coup, je me demande, tu me diras, Dorine, je pense que ceux-là, tu les as fait toi-même aussi. Si c'est toi, ben, super pour la patience, hein. Ouais, du coup, je pense que c'est toi qui les as fait. Ouais. Regardez. Super.
Tu me préciseras, mets-le-moi en commentaire. Dis-moi, c'est toi qui as fait les fleurs. Parce que comme j'ai l'impression que là... Alors... Hop. Oh, que c'est mignon. Oups. Ah ouais, attends. Ça... Ah ouais, je pense... Ouais, c'est pas du fait main, ça. Regardez, les petites fleurs. Je pense que c'est des choses que tu as fait, que tu as dû faire toi-même. Et si c'est ça, super. Et là aussi, je pense que ce que je... Ah, 1, 2, 3, je bégaye. Que tu as fait toi-même avec des découpes. Regardez, des mini landos, des tout petits landos avec des petits strass. Là, des petits nœuds. J'espère que vous voyez bien. Et comme ils sont collés sur un papier, eh ben, génial. Et donc là, une fleur qui s'est collée. Et là, pareil. Et donc là, avec des strass blancs. Super. Ouais, ben, confirme-moi. Mais j'ai l'impression que c'est toi qui les as fait. Et si c'est toi, bravo pour la patience. Vraiment super, super, super. Regardez. Ben Dorine, merci beaucoup. Ça va bien me servir pour mes cartes, pour mon scrap. Les washi pour mes planeurs ou même pour mon scrap aussi. Hein. Merci, merci beaucoup. Ta carte va rejoindre toutes les cartes que je reçois. Elle est magnifique, j'adore. Tu as une jolie écriture. Vraiment très belle. Ben, Dorine, à toi, tu t'es inquiétée, mais c'est enfin arrivé à la maison. Voilà. Hop, je viens de voir passer une fifille. Merci, merci. Je te fais des gros bisous. Ensuite, alors attendez, hop, juste une petite réponse, voilà, et donc la deuxième enveloppe, elle vient de ma poulette. Mais bon, je savais déjà ce qu'il y avait dedans, parce qu'elle me l'avait dit. Et elle a fait les choses bien. Donc, dans nos conversations, nos longues conversations du soir, que l'on a, on est venu à parler de bracelets, comment on appelle ça, Shambhala. Ouais, je ne sais plus comment on prononce ça. Est-ce que c'est marqué dessus? Non, je ne sais pas. Oui, c'est marqué là. Oui, Shambhala, voilà. Et elle m'avait dit qu'elle avait le mode d'emploi pour les faire. Voilà. Donc elle me l'a envoyé. Voyez. Alors elle me l'a imprimé. Elle me l'a plastifié. Voilà. C'est pas beau ça. Voilà. Hop. Elle m'a tout imprimé et plastifié. J'ai plus qu'à. Et en plus, pour commencer. Parce que j'en ai jamais fait. Bah oui, il y a des choses quand même que je n'ai jamais faites. Ça arrive. Voyez. Alors, elle m'a mis des choses dedans. Alors, je ne vais pas sortir les perles parce que sinon, je vais en perdre partout. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Elle m'a mis plein de petites choses. Hop. Ça vient, ça vient. C'est parce que je veux pas que les perles roulent. Elle m'a mis des découpes. Voilà. Bon, il reste 2-3 découpes dans le fond, mais c'est rien. Voilà, je vais refermer le sachet pour pas que les perles tombent.
Donc elle m'a mis des perles pour faire un bracelet. Voilà, les couleurs elles sont super belles. Très vitaminées ces couleurs. Elle m'a mis de la corde, enfin de la ficelle exprès pour faire le bracelet. Donc la couleur, aubergine. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il me faut pour commencer à faire un bracelet. Ensuite, elle m'a mis ces petites choses-là. Je trouve toutes mignonnes. C'est des petits sachets. Regardez, en forme là, en forme de petite jupe. Avec le petit cintre. Tout mignon. Il y a le petit pantalon aussi. C'est trop chou ça, j'adore. Et ensuite, elle m'a fait des découpes. Alors, il en restait dans le sachet, mais elle m'a fait des petites découpes comme ça. Là, un négatif de feuilles. Là, une fée. Là, des fenêtres. Encore une fenêtre. Un arbre, des lampadaires, donc comme ça, donc un rouge, enfin bordeaux, un dans les tons roses, un dans les tons verts, et ah, encore une fenêtre là dorée. Et tous les petits ronds comme je viens de vous montrer en mais en papier brillant. Super. Ah, voilà, on va rien perdre. On va mettre tout ça comme ça. Voilà. Bah écoute ma poulette, merci, merci, merci. Donc bah j'ai du boulot. J'ai plus qu'à me mettre à apprendre à faire les sambalas. C'est ce que je vais faire. Hein. Je vais essayer de m'amuser à faire ça ce week-end et bah, je montrerai le résultat, voilà, si j'y arrive. Bah, normalement je pense. On verra. Et donc bah, voilà, niveau courrier aujourd'hui bah, c'est tout. Donc là j'attends encore donc ce courrier qui vient du Québec, bon, qui devrait normalement ne plus tarder. Donc quand je recevrai je vous montrerai. Donc Dorine et Isabelle, je vous fais à toutes les deux plein 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 de gros bisous. Voilà. On se retrouve très très rapidement tous sur, pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Pour des courriers, pour des tutos, pour des revues, pour plein 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 de choses comme toujours. Et je vous donne rendez-vous. Alors, si tout va bien, je vérifie dans mon téléphone, dans mon agenda, parce que je suis très prise, par, malheureusement, par les rendez-vous médicaux. C'est galère. Je vais faire... Alors, je vais normalement faire le live, le FAC live, jeudi. Je vais le faire entre les midis. Voilà. Comme ça, bon, certains seront... J'aurai un peu plus de chance que vous soyez là. Là, mon mari, actuellement, comme c'est les vacances, il travaille du matin, il rentre vers 15h. Donc, comme ça, ça me donne le temps du matin de m'occuper ben, de ma maison, de préparer le live. Et comme ça, on fait le live entre les midis. Et puis, ben comme ça, il est fini quand il rentre. Voilà. Hein. Et comme ça, je pourrai répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées. J'ai tout recopié sur un papier. Voilà, comme ça, je vais pouvoir répondre à tout le monde. Et je voulais faire vendredi, mais vendredi, il ne travaille pas. Voilà.
Et je pense ce week-end, alors ce week-end il y a le salon idées créatives à Lille, enfin c'est pas tout à fait à Lille, c'est à Saint-André, alors pareil, je l'ai noté, oui, non mais je sais, attends, Fifi, s'il te plaît. Alors, c'est à Saint-André-les-Lilles. Donc si ça vous intéresse d'y aller, donc c'est du jeudi 26 octobre au dimanche 29 octobre. Ça commence à 10 h le matin. Et c'est 70 rue Félix Faure au hall de la Filature à Saint-André-les-Lilles. Voilà. Donc c'est le salon Creativa. Voilà, excusez-moi, c'est pas idée créative. C'est le salon Creativa de Lille. Et donc il se fait à Saint-André-les-Lilles. Ce jeudi jusqu'à dimanche. Voilà. Alors moi je pensais y aller, mais je crois pas. Je ne pense pas pouvoir y aller, malheureusement. Parce que pour y aller, il faut quand même un petit peu de sous-sous. Hein. Alors l'entrée est payante. Donc l'entrée, si je ne me trompe pas, est à 7 euros. Si vous allez sur le site internet de ce salon, le Creativa, vous pouvez imprimer un bon de réduction de 1,50 €. Voilà, ce qui vous permettra de payer votre entrée à 5,50 € au lieu de 7 euros. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Ça vous fera 1,50 € de plus à dépenser à l'intérieur. Voilà, ouais, moi je pense que normalement je pourrais pas y aller. Je vais voir, je sais pas. Et de toute façon, si j'y vais, je vais y aller toute seule. Parce que tirer mon mari dans un salon loisirs créatifs, ça le fait pas. Non, il veut pas. Enfin, je verrai. Bon, je vous en reparlerai pendant le live. Mais il y a 99 chances sur 100 que je ne puisse pas y aller. Voilà, malheureusement. Voilà, c'est dommage parce que je voulais vraiment y aller, mais bon, voilà. Bon, enfin, soit. Je vous fais à toutes de gros bisous et à tous parce que je sais qu'il y a des messieurs sur ma chaîne. Je crois que vous êtes trois. Je crois qu'il y a trois messieurs sur ma chaîne. Donc, je vous embrasse tous et je vous dis à tous à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Fifi. Ah oui, avec toi. Ouais. Tu seras encore là sur la prochaine vidéo? Mais oui, bien sûr. Un bisou? Non? Bon. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.